Les habitants de Nagrungo immortalisent la première du tour chez eux, devant 87 coureurs qui prennent le départ de cette course pour rallier Tenkodogo après 150 km 500. Après seulement 5 km, 4 coureurs menés par le Suisse Güler Timo amorcent la première attaque du jour. Mais très vite, ils seront rattrapés, puis dépassés par le Burkinabé Aziz Balboné. Il prend tout seul le devant de la course. Le peloton, bien contrôlé par le groupe Maillot Jaune, réussit la jonction avec les poursuivants, avant de rattraper le Burkinabé en tête. Le peloton est maintenant groupé. Certains vont tenter leur chance. 5 coureurs accélèrent. Parmi eux, 2 Belges, dont Timmy Debbouze. Personne dans le groupe ne peut inquiéter le Maillot Jaune angolais au classement général. Mais là encore, le peloton rattrape les 5 hommes. Mais c'est un Burkinabé qui va tenter sa chance. Salifou Yerbanga, le leader de l'équipe régionale du centre du Burkina, tente le coup en solitaire et prend 1 minute 14 secondes d'avance sur un peloton toujours bien contrôlé par le groupe Maillot Jaune. Les Angolais qui veulent conserver leur maillot jaune sont bien disciplinés à l'avant du peloton. Un peloton qui roule de plus en plus vite à la sortie du village de Moktedo. Moktedo, reconnu pour sa production du petit mil, est toujours en attente de la fin de la saison pluvieuse pour la récolte. Et c'est Yerbanga qui remporte ce premier sprint intermédiaire à Zorgo. Quant au deuxième sprint intermédiaire, il est remporté par le maillot jaune en personne. À 20 km de l'arrivée, tout s'accélère. Mathias Sorgho, le Burkinabé vainqueur de l'édition précédente, tente sa chance. Il amène avec lui un Belge et un coéquipier pour tenter de reprendre le maillot jaune. Leur tentative ne durera que 10 km. Le peloton, amené par le maillot jaune, accélère et fait la jonction. C'est donc un sprint massif qui s'annonce. La victoire revient à Mathias Sorgho qui commence à prendre sa revanche sur le maillot jaune angolais. Le maillot reste sur les épaules de César Bruno. Le classement général commence à être bouleversé.